tous la communauté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Ark les amis. Oh là là, il est bon, on est d'accord. Ah oui, je vais le faire à chaque début d'intro, je vais le faire à chaque intro, chaque début de vidéo. Mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau thème, mes amis, sur Ark. Nous allons apprivoiser un nouveau compagnon dans l'équipe. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas à moi? Non, t'es pas à moi. Qu'est-ce qu'il faut pour te nourrir? Des fleurs? Non, mais c'est bon, vas-y. Allez, oh, hein, t'iras trouver quelqu'un d'autre. Bref, les amis, aujourd'hui, du coup, nous allons apprivoiser le Térésinosaure. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un herbivore avec d'immenses griffes qui a pour habitude d'être quand même légèrement agressif et surtout extrêmement dangereux et puissant dans Ark. Et c'est un dinosaure qu'il me faut, tout simplement, voilà. Et du coup, mes amis, on est parti pour aller l'apprivoiser. Alors, par rapport aux apprivoisements, mes amis, sachez que le Térésinosaure va probablement être un des derniers apprivoisements qu'on va faire avant de s'attaquer aux gros apprivoisements. Donc c'est à dire gros apprivoisement, ça va être tout ce qui va être tyrannosaure, spinosaure, les allosaures aussi, tout etc. Enfin là, je parle de tous ces gros apprivoisements, tout ce qui va être très compliqué à apprivoiser. Donc du coup le Térésinosaure de mon point de vue fait partie encore des créatures moyennes et on va commencer vraiment à... Oh tiens, il y a un mouton. Bah ça, des moutons, j'en ai pas, tu vois. Peut-être que je pourrais en apprivoiser un de ces quatre. Mais du coup, je disais, voilà, que ça allait faire partie des derniers apprivoisements moyens qu'on allait faire. Et ensuite, on allait soit partir dans l'océan, donc ça commence à être dur. Soit partir dans le biome neige qui a tout là-bas, ou éventuellement dans le biome séquoia. Même si, biome séquoia, il n'y a pas trop de bestioles que j'ai pas. Hein, et puis ce sera techniquement des créatures que je gérerai tellement hors caméra parce qu'elles sont pas très importantes pour l'aventure. Mais du coup voilà, sachez que vous risquez d'avoir très bientôt de gros apprivoisements, des vidéos où je vais poutrer évidemment parce que bah, c'est très compliqué à apprivoiser les allosaures, les T-Rex, je sais pas quoi. Même si on a déjà réussi, on sait jamais, c'est des créatures qui sont dangereuses et on sait pas sur quoi on peut tomber. Bref, du coup mes amis, les Térésinosaures. Alors, d'habitude je vous fais une petite ellipse temps que j'en trouve un. Mais normalement, il y en a plein partout. Alors je sais qu'il y en avait un joli là-bas. Je vais sûrement vous faire une ellipse temps que je le trouve. Donc je vous dis à très très vite, ça va prendre 2 secondes. Ok, donc re les amis. Alors, du coup je vous ai fait une ellipse parce qu'il faisait nuit et que du coup on n'y voyait plus rien. Donc j'ai trouvé... Non, c'est pas ça que je voulais faire, je vais monter, merci. Donc du coup j'ai trouvé les amis le Térésinosaure que je cherchais. C'est une femelle, elle est niveau 4. Et on va essayer de se positionner correctement pour la voir parce que ça va être compliqué. Donc voilà, c'est un Térésinosaure, c'est ça les amis. Vous voyez cette grosse bestiole là. Voilà. Donc ça a 2 énormes griffes à l'avant et c'est très 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 agressif, voilà. Je vais d'ailleurs essayer de m'en aller un petit peu, ce serait dommage qu'il me défonce. Alors, je vais essayer de trouver un endroit où il pourra pas choper mon argent à vis parce que ça fait énormément de dégâts. Donc, voyons voir, après je peux me mettre là à la limite. Ouais, à la limite je peux me mettre là et commencer déjà à lui tirer dessus et puis m'envoler avec l'argent à vis après. On va faire comme ça, attention. Touché, ok. Alors il va arriver. Ça arrive vite en plus. Ah ok, il est là. Ok, voilà. Alors je m'en vais parce que... Ouais, ouais, enfin vous avez pas forcément trop vu, mais mon argent à vie ça a déjà pris énormément de dégâts. Si je me mets là, tu peux m'attaquer? Ah ouais, il peut m'attaquer. Alors attendez, ça va être compliqué parce que je vais essayer, il va vite en plus. Aïe. Ah après je peux peut-être la tirer. Ah oui, je peux la tirer là. On va faire ça. On va faire ça. Ok, ok, c'est bon. Ok, je vais la tirer ici. Il devrait pas pouvoir monter là. Au pire ce sera la surprise. Non c'est bon, il peut pas monter. Alors. D'accord, je sais pas pourquoi je pouvais pas tirer. Non mais arrête de croire que t'es intelligent. Tu peux pas monter. Arrête, hop là. Non, je l'ai encore raté, d'accord, excuse-moi, je sais pas ce que j'ai. Ah, voilà, nickel. Parfait. Bon. Y'a personne, hein. Non, c'est bon, normalement, il devrait y avoir personne. Bon, parfait. On va pouvoir lui tirer dessus. Je sais pas du tout comment ça, torpeur. Est-ce que... Ah, ça y est, la torpeur est déjà montée. Alors, faut pas que je rate. Normalement, c'est bon. Ok, touché. C'est bon, parfait, ça devrait être bon. On va se retourner, à mon avis, à faire dodo, si j'arrive à monter. Ah non, il s'enfuit encore. Est-ce que tu peux faire dodo? Je vais pas être obligé de descendre quand même. Pas face à un Térésinosaure, j'ai trop, trop la trouille pour ça. Bon bah écoute, hein, tu insistes. Et
c'est pas vrai, dors. Dors. Ah bah voilà, parfait. J'ai eu peur, je me suis dit, il va jamais dormir. C'est bon, nickel. Alors je regarde parce que normalement il y a Carnot Alpha pas loin là. Ah ouais, il est derrière là-bas là. Alors, bonjour mon coco. Au revoir. Ok, ta torpeur descend assez lentement, très bien. Je n'ai pas pris du coup de baies sur moi, il me semble qu'il mange des baies puisque c'est un herbivore. Donc on va deux sopas en prendre, voilà. Ouh, les petites baies, elles sont bien. Miam miam. Des Mejo Berries pour ce grand bonhomme. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là, tiens. Mange. Dis-moi que tu manges des Mejo Berries. Ah, c'est beau, hein, des résinosaures en vrai. C'est beau comme créature. Bon, oui, je sais, il est encore rouge, hein. Je sais, j'ai beaucoup de créatures rouges en ce moment. Je sais. Bah, c'est le jeu qui les fait spawn comme ça, j'y peux rien. Et puis, cela dit, les rouges sont très jolis. Là, j'aime beaucoup son plumage vert au-dessus, en fait. Vous savez quoi, je vais mettre les deux. Je vais mettre deux. Et de la viande, et des baies, parce que je sais pas du tout ce qu'il mange. Ok, mes amis, donc il mange des baies, c'est bon. J'ai bien la confirmation que ce cher être doux et puis absolument magnifique mange des baies. Bref, du coup, les amis, ça va être un timing assez long. Comme d'habitude, vous le savez, on fait une petite ellipse. Je vous retrouve une fois que c'est bon. À très vite! Et voilà les amis, du coup c'est bon, nous avons notre Térésinosaure. Et il est grand, hein. Regardez la taille qu'il fait à côté de moi. Oh, il est immense. Il est absolument gigantesque. C'est impressionnant. Bonjour mon coco, bonjour. Non oui, c'est lui coco, je sais, c'est l'Argentavis, mais... Oh waouh, tu es incroyable. Bon du coup les amis. Eh ben, c'est quoi? C'est l'heure de voir si... Oh purée. Pourquoi c'est mon Argentavis qui a fait tout le travail? Tu m'expliques? Tu m'expliques? Mais déjà lui, dès le début, ça y est, il respecte même pas mes ordres. Toi, je sens, déjà tu vas rentrer dans ta Pokéball, je sens que tu vas me donner du fil à retordre, toi, hein. Oh, je le sens. Déjà que t'as proposé, c'était pas facile. Bref, du coup, les amis, oui, je me trompe de touche à chaque fois, je m'assois. Les amis, c'est bon, nous avons apprivoisé notre superbe Térésinosaure. Je suis grave content. Je ne sais absolument pas, par contre, les amis, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien apprivoiser. Du coup, les amis, on se dirige vers la base et je vous retrouve une fois qu'on y est. À très vite. Du coup, les amis, c'est bon, nous sommes arrivés. Alors, on va pouvoir déjà, bah, prendre d'une... se poser, voilà, et on va pouvoir sortir cette... Non, mais le boucan que tu fais, je veux pas t'excuser non plus. Oh là là, il est incroyable, il est franchement super. Du coup, tu vas pouvoir te balader avec tout le monde, mon cher. Hop là, autre option, activer la promenade. Allez, va te balader et profite de... Excusez-moi. Profite de tout le monde, du coup, ça apprendra à crier tout le temps. Bref. Alors du coup c'est bon les amis, nous avons notre superbe Térésinosaure, je suis grave content. Mais les amis, qui veut dire apprivoisement terminé veut dire aussi fin de la vidéo. Et j'espère mes amis qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner les amis. Je ne sais absolument pas la prochaine fois pour quel dinosaure on va se retrouver, mais si je pense que j'ai une petite idée, un autre thème moyen qu'il faut que je fasse avant de m'attaquer au gros thème. Mes amis, on va se retrouver pour la prochaine vidéo très bientôt. Au revoir tout le monde!